Salutations, elfes humains, nains, hobbits et autres créatures de la terre du milieu, enfin sauf les méchants, hein. On se retrouve dans la Moria, toujours, et oui. Un peu de galère pour commencer cet épisode, parce que la client 64 bits ne fonctionnait plus, donc je suis repassé en 32 bits, tout simplement. Tiens, est-ce que je peux farmer ça? Eh ben je peux. Mais si je peux, je fais. Oups là, dépassement de capacité d'inventaire. Ah oui, c'est vrai, on est à la chasse au point pour l'inventaire. Donc du coup, je vais pas pouvoir prendre, évidemment. La résine, en même temps, je m'en fous. Ah ok, c'est parce que j'ai eu ce cadeau-là. D'accord, trop plein, trop plein, trop plein. Comment me sortir de ce trop plein? Qu'est-ce qui est en un exemplaire que je peux dépenser? Je vais pas jouer une heure. Non, je vais pas jouer une heure. C'est pas grave. Allez, on lance ça, on lance ça, on lance ça. Où est-ce que tu veux? Toup. Ok, et bien voilà. Ça va être compliqué. Alors là, c'est parti pour de l'XP, du coup. Il va falloir faire de l'XP, messieurs, dames. Donc, eh bien, on cherche des quêtes. On est dans les vastes salles, et normalement, dans chaque zone, je devrais avoir des quêtes qui apparaissent. Ici, par exemple, je vois qu'il y a du monde, et quête disponible. Voilà, c'est ce que j'aime bien dans ce genre de zone. C'est que contrairement au reste de l'Otro, on est dans une logique beaucoup plus fun et ergonomique où les quêtes se font à l'endroit, se rendent à l'endroit où on les a pris. Et ça, c'est carrément beaucoup plus cool. C'est pas très français, hein, ce que je viens de dire, je vous l'accorde. Allez, on est parti. Alors apparemment, ici, c'est ambiance pas terrible, terrible au niveau. Pollution, hein. Ça va pas le faire, ça. On va commencer par le haut, d'accord? Alors, j'ai trouvé un truc chelou, ok. J'ai trouvé un truc chelou. Oh, j'ai trouvé un vilain aussi sur le côté. Fantassin malade. Allez, on va abréger tes souffrances, alors. S'il y a que ça pour te faire plaisir. Voilà, c'est pas grave, ça. C'est une petite maladie, une petite flèche, voilà. On règle la question. Voilà, très bien. Alors, oh, c'est pas beau. C'est pas beau. C'est complètement, on dirait, une infirmerie orque. Comme quoi, ils prennent quand même parfois soin de leurs blessés. À moins que ce soit un campement complètement envahi par la puanteur ou je ne sais quoi. C'est tout à fait possible aussi. Alors, les fantassins malades me rapportent apparemment que dalle. Hein. Hop, allez, on se fait le petit machin là-bas, là. Tiens, prends ça. Hop, dégâts dans le temps. Hop là, boum. Non, 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 tu me fais quoi? Il m'a fait, lui. Il fait quoi, lui? Ah, vas-y, casse ça, là. Ça doit être une salope. Pardon. Je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Ne dites pas que je l'ai dit. Je l'ai pensé très fort. J'ai commencé à le dire, mais je ne l'ai pas dit. C'est dur de rester toujours propre dans son vocabulaire. On chope pas des effets bizarres, là? Non. Poison artisanal. Ok. Oh, ça explose. Ça explose. Tas de bois d'ilex. Bon, on récupère. On récupère, on récupère. Je viens de réaliser que j'ai oublié d'aller vérifier le feu chez moi. Hier et là, j'entends. Et j'ai oublié. Tiens, capitaine du Mordor. Come on, babe! Viens prendre ta volée de petites flèches. Toi, par contre, tu n'invoques pas ton totem. Tu n'invoques pas le totem. Bon, apparemment, le totem, de toute façon, je suis hors de portée, mon gars. Ça sert à rien contre un chasseur. Toi, je t'ai vu là-bas. Mais tu es trop loin. Je t'ai... Et je ne me déplaçais plus. Soyez conciliants et coopératifs. Mais enfin, que diantre! Oh tiens, tant que j'y pense, je recorde le lendemain du jour où j'ai appris le décès d'un grand grand acteur de cinéma, donc je tenais à lui faire un petit hommage, un petit clin d'œil, voilà, je sais pas comment on peut appeler ça exactement. Voilà, notre cher acteur de James Bond, Sean Connery, est décédé à l'âge de 90 ans. Il a eu une belle vie, hein. On peut pas dire. Il a fait de grandes choses et il nous a donné beaucoup de plaisir dans plein de domaines. Donc merci, merci à lui. Un grand acteur parmi les grands acteurs. Il y en a bien d'autres, mais lui, en tout cas pour moi, en tout cas, il a fait partie de ceux qui ont accompagné mes aventures cinématographiques depuis l'adolescence, voire même l'enfance. Je pense que mon père m'a fait voir les premiers James Bond bien avant que je sois au collège.
Or, Sean Connery, je vous le rappelle, c'est le premier. The first of the first. The one, l'unique. Un anneau pour les gouverner tous. Oui, je sais, je suis un petit peu barré aujourd'hui. Oui, voilà. Bon, des fois on est de bonne humeur, des fois on l'est pas. Ça arrive. Ouais, je t'ai vu, toi. Le mec, il se plante dans l'escalier. Ceci dit, l'escalier est un peu raide, hein. C'est un peu l'échelle de Meunier. Hein. Dégage. Dégage. Non, me lance pas ton truc. Ça y est, il a réussi. Et là, je suis à portée, par contre. Ça, c'est pas cool. Vas-y, bousille ce truc-là. Là. Hop. Un fantassin malade. Là, c'est du... C'est une opération de salubrité. Je vous fais bénéficier de ma grande mansuétude pour que vous puissiez trépasser avant que la maladie ne vous fasse plus de dégâts. Ce serait dommage. Mince, j'ai aussi attiré le profanateur. Donc on se fait vite le profanateur avant que ce profanateur invoque son petit truc de crotte meurt. Yes. Allez, un dernier profanateur pour la route. Hop. Et il ne nous restera plus que les chefs. Voilà. Bah, le chef, il m'en faut plus qu'un. Alors là, par contre, ça pollue dur, on dirait. J'ai l'impression que... Examiner les cadavres des orques. Ensuite, détruisez les stations de réparation... De préparation, pardon. Hop. Tiens, je l'avais pas vu, lui. Hop. Tiens, bah c'est bizarre, il vient pas vers moi. Tout occupé à ces... Machin chose. Monsieur ne m'a pas attaqué. Il n'a pas daigné me prêter attention, dirons-nous. Et voilà, des profanateurs en moins. Un réchaud en moins. Pouf. Un autre réchaud en moins. Alors par contre, l'inconvénient de cette zone, c'est qu'on ne sait jamais trop si on a déjà tout fait. Du coup. On ne sait pas, on ne sait pas. Tiens, flèche de barde. On va aller voir ton copain pendant ce temps-là. Je suis comme ça, moi. Alors, apparemment, je peux pas. Pendant que je fais ça. Bon, et ben on va se faire le capitaine orc alors. Oula, il y a un bug là. Qu'est-ce qu'il me fait là? Oula, 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 je vais me faire tuer bêtement là s'il y a des gros lags comme ça là. Non, 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 pas de blague, pas de blague, pas de blague. Et on se fait le profanateur là avant qu'il nous casse les pieds. Ouh. J'ai eu un méchant gros rollback lag. Je sais pas comment appeler ça exactement. Mais là, c'était pas très rigolo. Hop, je peux l'examiner maintenant, le cadavre d'orc. Vous devez faire face à la cible. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Un jour, je vais y arriver. Hein. Ça y est. Oula, qui c'est qui me tire dessus, là? Je l'avais pas vu, lui. D'où tu sors, toi? Hop. Ça, c'est fait. J'ai une autre quête à valider. Je crois que j'ai fait 3 zones, là, déjà. Je crois qu'il y en a 4 dans ce coin-là. Hop, allez, on valide les quêtes. Ouh, il y a du méchant lag. C'est pas cool du tout. C'est pas cool du tout. Alors, lui d'abord. Et après, on examine le cadavre. Voilà, ça va être le dernier. Ah non, il m'en reste 3. Il y en a 2 après. Punaise. Ils sont où les autres cadavres? Il y en a par là? Bah non, là on repart. On enchaîne avec autre chose. Ça veut dire que j'en ai raté quelque part. Des cadavres. Ah, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux, ma foi. Alors, où est-ce que j'en ai raté? Dans l'eau, peut-être? Ah oui, j'en vois un là dans l'eau. J'en vois un là. Si j'arrive à cliquer dessus... Où il est tombé? Ah bah je suis juste au-dessus de toi. D'accord. Je suis vraiment dans les immondices là pour le coup. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. Coffre en bois, je m'en fous. Je veux un cadavre d'orc, s'il vous plaît. Où est-ce qu'il est caché le cadavre? Il m'en manque un. Tête de statue. Oh, tête de statue. Qu'est-ce que Mais si, je sais, ça c'est une quête que j'ai commencé, ça. Je crois. Allez,
Hop, on sait celui-là parce qu'il va me casser les pieds. Meurs avant d'invoquer ton truc. Meurs. Toi aussi, tu vas me casser les pieds, je suis sûr. Voilà. Et moi, je voudrais regarder ça, là. Il me semble que c'est l'une des quêtes casque d'Elgi, tueur de gobelins. Ça me dit quelque chose. Hein. Je crois qu'on a déjà ramené un bout de statue comme ça à un moment donné. Alors ça, c'est pas bon. J'ai dû en oublier un là-haut. Comme quoi, faut toujours laisser les noms actifs. Hein. Ah, c'est chiant, ça. Je vais remonter de me faire tous les orques que je pensais avoir éradiqués, moi. Hop là. Alors, il est où, lui? Le petit cadavre que j'ai raté. Ah, pourtant, il me dit qu'il serait derrière, le cadavre. Hop. Mais tu vas le tuer, oui? Où est-ce que j'aurais pu en rater un? Sur la gauche, là, peut-être. Ah, sur la gauche, je suis pas allé voir. Je me suis contenté d'aller à droite, j'ai pas été très consciencieux sur ce coup-là. Lui, il a une drôle de démarche. Là, sur la... Ah, il est là. Punaise. Est-ce que je peux le regarder sans que l'autre m'attaque, là? Le fantassin malade, là. Non. Ils sont malades, mais ils se battent quand même. Ils n'en veulent encore. Ils n'en veulent, ils n'en veulent. Et voilà, c'est bon pour ce coin-là. Ok, donc on a fait cette zone. On va enchaîner de suite, parce qu'il nous reste une bonne dizaine de minutes dans l'épisode tel que je l'ai anticipé, prévu, prémédité. Non, en fait, j'ai rien prémédité du tout. Pour tout vous dire, on est dimanche. J'ai fini mes records de Minecraft. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, on va se faire un petit lotro. Hein, on va faire un petit lotro des familles, sympathique, pour bien terminer ce dimanche. Ceci dit, il est bien avancé, j'avais pas vu l'heure. Alors, allons voir par là s'il y a d'autres quêtes. Ici, par exemple. Oh, oui, là, visiblement, il y a des quêtes. Un piège des nains. Un piège des nains. Non, mais tu peux m'achever ce truc-là? Là, là, voilà. Alors, je sens que je vais me le prendre dans la tête, le piège des nains. C'est connu, ils aiment les elfes, hein. Voilà, on reste pas là. Parce que là, ça sent les dégâts, ça. Alors, armer les pièges, blablabla. Ok, en voilà un de fait. Par contre, je passe comment, moi? Je passe sans prendre de dégâts, là? Ah bah, il s'arrête après. C'est pas drôle. Continue à tourner au moins. Fait des dégâts à tous ces machins là. Qui viennent m'embêter. Ok. Alors, pas par là. On va aller par là. Cherchons les pièges. Ah, là-bas, il y a un autre camp. Donc, peut-être encore des quêtes. Quoi que ça ressemble à celui que j'ai déjà fait. Ok. Tas de bois d'ilex. Oh, c'est joli ici. Oh, mais ici aussi il y a des quêtes. Mais ça, je sais que ça va m'emmener à d'autres quêtes. Donc non, pas tout de suite. Pas de suite, pas de suite. D'où tu sors? Toi, je t'avais pas vu. Je viens de là pourtant. Alors, les pièges. Où sont les pièges? On va faire le tour. Hein. Ah, voilà un. C'est le même que tout à l'heure. C'est le même que tout à l'heure. Ok. Alors, on va supposer que dans ce cas-là, il fallait aller par là. Là, il y a du monde. Oh, il y a un truc différent devant. Alors, en tout cas, des orques j'en tue. Hein. En même temps, il m'en faut encore 150. Alors, allons-y, allons-y.
C'est quoi cette Horde d'orques d'avancer dans la Moria? Ok, on peut se faire plaisir avec les orques. Allons-y. Regardez ça. C'est quoi? Ça a l'air joli, ça. Oh, j'ai découvert Gabil Mamash. Mamar. Mamar. Ouais, ça fait plus joli, Mamar. Regardez avec les corbeaux dans le lustre. Oh, c'est beau. Alors, est-ce qu'il y a des pièges par là? Ça serait bien un piège tout en bas, là. Essayons de passer discrètement. Alors, il n'y a que ça comme quête dans le coin. D'habitude, on en a d'autres, là. Hop, on reste pas devant. Là, j'en vois un autre piège. Un autre là-bas. Combien il y en a? 6. Ok, je suis dans la bonne zone. C'est déjà ça. Alors, on va se faire celui-là, déjà. Hop, on recule vite. On va se faire celui-là. Et il en manque 2. Maintenant, il faut les trouver. Là, il y en a un. Est-ce qu'il y en a un autre par là-bas? Ah ah! L'autre va être en bas, je parie. C'est malin comme piège. Dangereux, donc malin. Bingo, il est là. Oh, bah lui, il veut pas se faire tuer. Et là, tu veux bien te faire tuer? Tu veux bien te mettre en vue, là? Oh, c'est pas vrai. Est-ce que le piège a la moindre efficacité sur lui, au moins? Évidemment. Ça, ça va me casser les pieds, une petite bestiole, là. Mais non, mais vous allez arrêter, oui. Oh, c'est pas vrai, ça. Où est-ce qu'il est, lui? Ah, t'es là-haut. Ramasse tes bestioles. Dégage. Comment te dire? Je n'ai pas besoin de toi pour activer ce piège. Hop. Et là, la question que je me pose, quand même, c'est... Si je l'attaque, lui... Il va se rapprocher. Ah, bah non, il va pas se rapprocher. C'est un tireur à distance, idiot bête que je suis. Ah ah. Ah bah tiens, bah, comme ça, un petit progrès de fait au passage. Tueur de gobelins avancé en plus. Eh, on en a tué un paquet là. 10 points SDAO, ça c'est cool. Ça c'est cool. Terminé, les alliés du Mordor. Ok. Alors ça c'est fait. Maintenant, du coup. Par là, il y a quoi? Ah mais non! Mais non! Réflexe de Minecraft, je voulais sneak pour pas tomber. C'est pas possible, faut pas jouer à deux jeux différents dans la même journée. On fait des erreurs de bêta. De bêta, tout simplement. Alors, on va remonter du coup, puisqu'on est arrivé par là-haut. Et on va essayer de trouver... Bon, le casque, ça c'est pour plus tard. Quelle heure il est? 18 minutes 30 de record. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin quand même. Ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression de sortir de la zone initiale de Zelem Malek. Il y a un peu trop de monde là. Veuillez s'il vous plaît arrêter de m'ennuyer. Veuillez s'il vous plaît retourner à vos occupations. Et arrêtez de m'ennuyer. Merci. Alors, j'espère au moins que mon bonus va marcher encore après. Ok, donc c'est par là que j'ai trouvé une autre zone. Mais là-bas, ah oui, au fond là-bas, il y avait une zone aussi. On va aller voir d'abord là-bas, avant de descendre dans la zone, parce que je crois que c'est plus Zelem Malek là où il y a le... J'ai vu une chèvre. Il me semble que c'est déjà une autre zone par là. Il y a quoi par là d'ailleurs? Oui, il y a l'air d'avoir du monde. Ok, on va faire le tour. On va faire le tour. Puis sinon, bah, on va se quitter là. C'est déjà pas mal. Ça fait une petite balade dans Zelem Malek. On va se faire un petit gardien de la Moria et ses noires griffes. Non, pas. Je voulais pas me faire les noires griffes. Je voulais me faire le gardien, nom d'une pipe. Parce que quand vous tuez le gardien, les noires griffes disparaissent. Ah! Ah, bah voilà, là, il y a bien des actions de quête. Hop,
Donc il faut qu'on se fasse ça aussi. Mais peut-être la semaine prochaine, par contre. Parce que j'ai l'impression que là, c'est un peu plus compliqué. Eh bien, on va faire ça. On va faire ça. Moi, je vais vous dire bye bye. Non, je vais vous dire au prochain épisode, si vous le voulez bien. Portez-vous bien. Ciao, ciao.